तो शुरू करें हेल्थ और टेस्ट की परफेक्ट सिंफनी। मेरे डिजाइन और आपका जादू, मॉडर्न, कन्वीनियंट, स्मार्ट, इनोवेटिव और सुपर स्टाइलिश। किचनवेयर और आप दोनों लाजवाब। सबकी जादूगर पर मेरी वंडरशेफ आप। Les meilleurs moments, ce sont ceux que nous avons partagés avec les nôtres. Malgré toutes les épreuves et les contraintes, nous sommes restés unis et reliés plus que jamais. Nous avons surmonté les difficultés en les transformant en instants de bonheur. Nous nous sommes surpassés, alors partageons tout ce que nous avons de valeur. Raffermissons nos amitiés, créons avec nos proches ces moments intenses. Partageons ces moments inoubliables ensemble. Eagle Brand. Restons unis. Un père, s'il vous plaît. Pima, mettez. Oui, mettez. Azotampo. Faites au rabais, s'il vous plaît. Bébé, t'as encore les cuillères, non? Plein de savon. Daï. Oui, oh Daï, où l'estomac pas bien on y est. En plus, Daï fait où les os solides. Il y en a moins d'ici qu'avant et il y en a zéro colorant. Daï Yoplait. Un produit made in Maurice. Assalamu alaikum et bienvenue dans la deuxième saison de Ramadan Homemade Recipe. Pareil comme l'année dernière, j'espère que vous avez une recette, essayez une recette qui nous propose, une recette bien facile, bien simple, pour serrer, pour iftar et pour Eid en même temps. Et cette année-là encore, nous pouvons venir avec une recette bien facile pour le matin, pour serrer, pour iftar et surtout avec un petit secret du chef que vous trouvez tout à l'heure, comme Mansoura, pour donner nous un petit tips, une petite affaire facile à faire pour nous faciliter le Ramadan cette année-là. Et sans plus tarder, nous avons le chef Mansoura. Assalamu alaikum Mansoura. Non, fini. Un fini passé, nous rejoignons. Vite, comme si dirait hier. Oui, exactement. Et là, au coin de fin, Ramadan, donc la pôde. Oui. Tu connais quand arrive Ramadan, là, qui nous rodait? Qui nous casse-tête pour trouver manger pour le matin, pour serrer, pour iftar. Oui, mais toujours, moi, je viens avec un petit peu de nouveau créativité. Ça même, nous perdons aujourd'hui, là, un petit secret de chef. Comment nous pouvons faciliter la vie? Direct dans la cuisine. Allez. Donc voilà, nous retrouvons dans notre petite cuisine qui est aménagée. Et là, tout de suite, Mansoura nous a dit comment nous pouvons faire ça dans l'air fryer là. Mais comment tu connais le Ramadan bien passé? Et c'est toujours un casse-tête pour serrer qui pour cuire le grand matin. Et toi, qui te compte à manger, toi? Un petit farata, mais c'est moi des fois un peu trop difficile pour le préparer. Peut-être un petit nan parti pour mal. Mais c'est le nan traditionnel là qui prend le temps pour faire. C'est ça qui me tue budget, toi. Moi, si je n'ai pas un nan traditionnel, je ne vais pas acheter ma nan, je ne vais pas préparer ma nan briochée. Laisse-moi faire toi, me dire toi, qu'un nan traditionnel,
ce parfum même te connaît quand tu menaces tes nanses. Ce parfum là, mais ce parfum là te connaît, il est fait avec une levure à base de dol. Qui nous bien prépare ça de là, nous laisse les une fermentation, nous servons ça de là pour nous capables pétrir nan. Mais nous avons ça aussi de différents nan avec même levure de dol qui est fermentée, qui vient sa propre levure. Nous avons une qui est bien raffinée, qui nous appelle un nan farata longtemps, mais il est un peu flaky, il est feuilleté. Mais il y a un nan, il y a toujours un parfum qui nous dit un nan se sent. Mais seulement moi, je peux revisiter lui à la place de sa de fermentation là. Je peux servir un ingrédient qui nous trouvait pas. Tu nous servis souvent dans le ramadan. Je peux servir l'ingrédient là dans la pâte nan et nous revisiter lui, nous pouvons servir un nan un petit peu, passer un petit peu avec sa nan traditionnel là, nous pouvons faire un nan. Farata, un nan qui est un peu fléqui, qui amène parfum. Et un nan revisité à la façon de Mansoura. Voilà, exactement. Donc, un petit ingrédient secret là-dedans d'ailleurs. Et là, on peut partager. D'accord. Et nous commençons par quoi justement? Nous avons la farine, nous servons la farine pleine, déjà une bien tamisée. Ouais. Mettre la farine dans le bol. Voilà, toute la farine là. Et en plus, ça nan là peut faire un air fryer. Oui, justement, moi tu me demandes nous pas trop gagner le temps. À ce stade, quand nous finis faire ban nan, comment faire à temps, nous un petit faire nous mettre dans le freezer, ça nan c'est pareil. Ça aussi, tu capable faire te mettre dans le freezer, tu cas free cookly, half cookly, après tu dis reheatly. Et c'est ça l'avantage, moi pensais air fryer, c'est l'avantage. Tu peux bien l'allumer grand four. Oui. Si tu n'as pas chauffé un ou deux nan, plus facile. Direct dans air fryer. Et là-dedans, nous dans la farine, nous puis ajoute. Un petit peu gros l'anis, ça toujours pour amener sa touche de parfum là. Nous avons la levure. Nous avons du sucre. Pour lui aider la farine là pour fermenter plus vite. Nous avons du sel. Je ne vais pas mettre tout. Non, un petit peu. Et en plus, nous pouvons faire un petit nano fromage. Oui. Nous va servir beaucoup de sel. Aussi. Et ça, du petit ingrédient secret. Voilà. C'est quoi? Me laisse dévoiler. Ça, c'est une bessane qui est faite à base de dalle. Sa bessane-là, une rose-lie pour lui donner sa parfum-là. En même temps, lui fait une bonne combinaison avec nan. Lui pour faire avec sa fermentation-là, lui pour amener sa parfum-là, lui pour donner sa arôme-là. Et en plus, lui pour gagner sa goût-là. Okay, ça, c'est le fameux bessane grillé. Légèrement grillé. Voilà. La mixture. Là, nous pourrions pas liquide. Là, nous avons un yaourt. Nous mettons des gros cuillères yaourt dedans. OK. Nous avons du lait. Si besoin pour nous ajouter un peu de l'eau, nous pouvons ajouter. Oui. Voilà. Nous pas mettre de l'eau là de suite, là. Nous mettons en fonction de cette texture. Nous sommes capables d'ajouter très peu. Hein. De l'eau, toujours nous pouvons donner de l'eau. Oui. Toujours nous pouvons servir un warm water. Un petit peu. OK. Donc, comment se peut trouver? C'est une recette en quelques étapes. Oui, on ajoute un petit peu d'huile d'olive. Ça aussi, pour aider pour les rendre mou. Divine plus soft. Soft. Et toujours, nous peut servir un. Un de l'huile d'olive de qualité. De qualité. Pour nous gagner une meilleure qualité. De nan, yes. De nan. Là, petit à petit, te verser. Non. Remets ça là-bas. Je mets dedans. Doucement. Comme ça. Je
Et ça, c'est une préparation qui n'est pas nécessaire tant Ramzan commencer, nous capable finir faire lié en avance. En avance. Et justement, comme on peut dire, les bonnets, nous mettons dans freezer. Freezer. Ajoute un petit peu de l'eau. En tout cas, rappelle-moi qu'il nous a servi là-dedans. Vous vous mettez là, c'était un challenge. La farine. Un challenge. Mais moi, en tout cas, ce qui me retenait à la demande soir, c'est ça, un ingrédient secret là, qui nous pas connaît probablement. Je pense que trois quarts du monde qui peut guetter nous aussi, nous reste la farine même. Et là, nous ajoutons Bessan et qui, même le porc fait aussi est différent. C'est différent. Ouais. Allez. Molestoi nid. Allez, top. Allez, bismillah. Allez, donc, Astella, est-ce qu'il nous besoin, quand nous finissons de pétrir les mansoura, est-ce qu'il nous besoin de laisser reposer? Non, là, nous avons le tien ingrédient pour nous mettre. Okay. Ça, nous mettons en dernier. Là, côté la partie de vigne comme ça. Là, nous pouvons ajouter du beurre. Ok. Ok, là, nous pouvons. Ça, nous mettez pour apporter du goût. Mais quand tu peux faire ça dans un farata spécial longtemps, que tu peux servir aujourd'hui, nous mangeons avec un kima. Donc, là, nous ne pouvons pas servir de beurre, mais tu peux servir de ghee. Okay. C'est vrai? Oui. Ghee aussi, il n'est pas fin. Oui, oui, oui. Ah, mais là, comme on dit, on peut revisiter, mais nous servir de beurre. D'accord. Allez, là, tu te prends, tu te mélanges, tu te pétris. Ok. Là, ça s'appelle pétrier. Ok. Tout à l'heure, tu t'y mélangeais. Ok. Oui. Là, tu pétris bien, la pâte pour bien développer. Il faut prendre à peu près 45 minutes. Okay. À peu près 45 minutes pour les bien pousser. Ok. Est-ce qu'il nous besoin de mettre les températures ambiantes même? Non, ou... non, mais là, tu connais dans le pays qui nous restait, là, à cette époque-là, il fait tellement chaud. Oui. Nous pouvons aller nous laisser. Ok. Nous posons les et l'on la tape. Dans la petite place, enfin chaud, dans la cuisine, nous pouvons aller. T'es trouvé? C'est bon? Encore, encore. Fatigué? Oui, encore un petit peu fatigué. Pas habitué. Ça demande de l'effort. De l'effort, de la patience, bien sûr, de la passion et de l'amour aussi. Mais, hein? Bien sûr. Mais quelque part, c'est très rapide. Hein? Il suffit qu'il y ait une mélange des trois ingrédients là-dedans. Il suffit qu'il y ait un bon ingrédient, que nous organisons. Tout est facile. Et si tu possèdes ça, l'amour de cuisiner là, c'est ça, qu'il faut. Voilà, laisse-moi boire un petit coup. Pas collé. Oui. Bien. Là. Un petit peu la farine avec toi, dedans. Ok. Non, ça peut aussi. Voilà. Là, nous couvrons les, nous laissons poser pendant quelques minutes. Non, non, pas quelques minutes, pendant à peu près 45 minutes. D'accord. S'il fait chaud, 45 minutes ou sinon. Ah bon, s'il fait moins chaud, si on nous rend en hiver. Ok, d'accord. Parce que demain, pour les développer. La température, bien, pour qu'il les pousse. Les développer, il augmente ce volume, les pousser. D'accord. Donc voilà, en attendant qu'il nous la pâte peut poser, peut repousser. Nous retrouvons d'autres d'un petit moment et en même temps, nous remercions tous nos sponsors. Vous trouvez la liste des sponsors sur l'écran qui aident nous à mener ce projet-là à terme. Et nous retrouvons tout de suite. Merci. Thank you.
तो शुरू करें हेल्थ और टेस्ट की परफेक्ट सिंफनी। मेरे डिजाइन और आपका जादू, मॉडर्न, कन्वीनियंट, स्मार्ट, इनोवेटिव और सुपर स्टाइलिश। किचनवेयर और आप दोनों लाजवाब। सबकी जादूगर पर मेरी वंडर शेफ आप। वाओ मंसूरा, ला पार्टी बिया वाओ सेटिंग बिया मोंटे बिया पुसे बिया मोंटे C'est ça la preuve qui ligne bien ligne reposée. Bien reposée, okay. Ligne donne une bonne fermentation. Mm-hmm. Et là, nous pour repétrir encore un petit peu. Après, okay. Nous peser, nous façonner. Allez, très bien. Voilà. Et là, de la quantité qui nous fait là, à peu près combien il y a nous là, nous capable d'un 5 nan, okay. de 100 grammes. Ok, d'accord. Okay. Mm. Ouais. Un petit peu la farine, l'eau. Voilà. Voilà. Mm-hmm. De la pâte. Il est bien soft. Mm. Ouais. Il paraît pour bien nous. Très bon là. Hein. Mm-hmm. Mm. C'est là nous pour peser, hein? Ouais. Nous pouvons nous peser 100 grammes. Hein? Nous pouvons donner le temps pour te faire un petit leu. Ouais. Mm-hmm. Voilà. Ouais. Donc, un nan, il faut à peu près 100 grammes. 100 grammes. Oui, ok. 100 grammes là, tu vas mettre un petit peu de la farine, tu fais un petit leuya comme ça. Ok, mettre un petit peu de la farine. Nous ne pouvons pas faire les plus grands, nous ne pouvons pas faire les plus petits aussi. Okay. Mais 100 grammes, les raisonnables, ouais. Surtout pour servir le matin, nous ne pas manger trop beaucoup aussi. Mm-hmm. Et en plus, là, nous pouvons mettre fromage, nous ne pouvons pas accompagner avec un petit carré qui nous envoie. Nous ne pouvons pas accompagner pur. Ou bien nous sommes capables d'accompagner sans fromage avec un petit curry qui nous envie. Est-ce que le fromage là aussi nous est optionnel? Nous sommes capables de mettre les autres ingrédients? Nous sommes capables de mettre un petit filling, un mix, ouais. Un petit piment là-dedans, si nous envie. Il peut un peu plus consistant aussi. Il peut un peu plus consistant aussi. Si nous mettons poulet. Nous allons mettre un chicken mince là-dedans. Ok. Et parfois, là, arrivé, nous avons un petit mot sur là. Nous partageons ouais. Comme ça. Voilà. Là, allez, façonne-moi les œufs. Là, nous avons une plaque toujours pour ne pas coller. Ouais. Bon, servir cette plaque-là, en cas si nous sommes capables de servir au four aussi, nous pouvons mettre au four. Mm-hmm. Après, nous récupérons dans nos air fryers. D'accord. Et c'est ça le côté très pratique. Le côté tendance ouais. De air fryer aussi. Ça nous facilite la vie. Et un petit moment vie. Le matin, nous mettons dans air fryer, nous pouvons faire nous dîner toujours. Oui, oui. Nous pouvons faire les autres affaires. OK. À ce là nous pouvons étaler. Ouais. Nous avons un rouleau là-bas. Tu étales, pour montrer toi comment tu fais une sanane pour dire ça, pour des flaquer, mm-hmm. Pour des feuilleter. Mm-hmm. Allez, tu connais le. Tu apprends l'année dernière. Il est bien mou, hein. Très mou, très ouais. Soft. Mm-hmm. Nous risquons de faire Marc Maurice seulement la manche. Là. Me prépare.
votre fromage toujours. Oui. Là, tu peux. Oui, la pâte là, dit obéir. Oui, ok. Là. On met ça. Oui. Ne pas faire les trop minces en même temps. Non, non, la pâte, il obéit ça, il obéit. Là. Allez, là, nous pouvons mettre un petit peu de beurre. Oui. Pour les flèques, une flèque. Un petit peu de beurre, là. Voilà. Mm-hmm. Là, tu auras fromage. On va mettre le fromage dessus. Rappelez direct. Tu auras fait direct. Un peu partout. Ok. Ok. Là. Oui. Et là, ce sera l'heure de plier. Voilà, voilà. Oui. Là. Là. Un peu la farine. Oui, voilà. Un peu la farine. Nous faisons un fromage, nous allons faire les plaies, nous faisons la même procédure. Là. Tu as besoin d'un petit outil dans la cuisine. Tu as trouvé un laboratoire, ouais. Ça. Ça, là, il y a un peu plus fin, donc. Voilà. Pour donner sa forme. Voilà. Là. Alors, Nan, comment tu manges? Elle dit tourner. Oui, exactement. Ah, voilà. Comment nous pouvons tourner là? Nous avons dit pour flaky. Oh, ouais. Aucune idée. Pas tellement. Ça, c'est la magie, je pense. De... Voilà. Voilà. Ah, ok. Ta cuisine, c'est tout un art. C'est tout un art. Apprendre, innover. Créativité. Là, tu fais ton imagination, travail, qui, comme on peut faire ça, comme on peut tourner, il peut une flèche. D'accord. Donc là, comment mon auditeur est capable de nous, nous peut couper. Pas couper partout, nous laissons ça deux bouts là. Pour nous capables de façonner, nous faire sa forme nan là, et en même temps, flèche. Mm-hmm. OK? Là, Ok. Là. Donc, nous commençons à tourner à partir d'un côté seulement. Oui, tourner en même temps, caresser. Voilà, 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 voilà. Très bien, ouais. Voilà. Là. Et c'est ça mon pensée, un petit secret quand voilà. Là, nous mouillons un petit peu là, pour ne pas détacher, pour ne pas coller. Voilà. Pour lui coller entre les mêmes. Entre les mêmes. Là, lui tourner. Wow, très joli. Très, très joli. La rose, un petit guide. Ah non, pas nécessaire. Voilà. Ouais. Très joli. Voilà. Voilà. Est-ce que nous allons laisser les poser encore avant Oui, bien sûr, bien sûr. Ou dans four ou dans air fryer? Non, nous allons laisser reposer après 30 minutes. Là, nous pouvons enfourner ou nous pouvons... Comment nous pouvons appeler ça, air fryer? Mettre-les dans air fryer. Donc, Mansoura, nous pouvons faire le deuxième. Est-ce que tu peux expliquer-moi si nous avons envie de mettre poule, comment les pointer? Attends, je peux expliquer toi, là. Sur l'étape presque pareille. Étape pareille. Nous capables, si nous n'avons pas envie de mettre fromage, nous mettons un peu de beurre, c'est ouais, tout. Mm-hmm.
un peu de beurre maintenant. On va mettre un petit peu de beurre. Pareil. Voilà, la question qui te pose, moi, si j'ai envie de mettre poulet. Right? Nous faisons un filet et chicken mince. Oui. OK. Alors, nous ne sommes pas capables de faire nos poulets partout. Il est encore nous pour refermer, pour couper poulet, pour donner un animal. Oui. Là, ça veut dire, donne-moi un petit peu de fromage avec toi, là. Disons, ça, le poulet, là. Hein? Oui. OK. Nous mettons un petit peu de fromage rapide dedans, quand nous bougeons pas ici. OK. Voilà. Ça veut dire, ça c'est nos filets chicken mince. Oui. Nous pas pour faire une porte, nous pour mettre les là. Ok, c'est ça qui la différence. Il fait la différence de quand nous pour mettre. Là, là nous pour faire ferme les là. Oui. Nos filets pour venir là. Mm-hmm. Ok. Là, là ici. Ok. Nous pour couper. Nous fini couper. Nous fini mettre filets d'abord. Oui. Mm-hmm. Après nous pour couper. Oui. Là, là nous pour retourner comme ça. Il y a un feeling du papier sorti. On a ajouté un petit peu de l'eau là. Pour ne pas couler. Pour ne pas détendre. Et voilà, nous n'animons pas. Voilà. Là, nous continuons. Nous continuons. Cette fois-là, si nous avons envie de faire une nanine pleine. Pleine, sans fromage, met... sans rien, nous ajoutons du beurre. Ajoutons du beurre. Mais est-ce qu'il nous fait fanny pareil? Oui, oui, pour les flaky. Oui. Parce qu'il nous peut faire une flaky nan, là. Mm-hmm. Rappelle-toi qu'il y a une nan traditionnelle, une revisitée, liée à ça, les flaky, n'est pas brioché. Et en même temps, il y a un parfum de gros lani, de nan traditionnel. De nan traditionnel, au lieu qu'il nous servit le vieux de dalle, nous servit un dalle qui est grillé et mélangé avec du yaourt, de levure, pour aider les pousser. En même temps, fermenter, il y a une bonne fermentation de nan. Donc, en attendant qu'il nous puisse terminer nos bananes, nous remercions tous nos sponsors qui aident nous réaliser cette émission-là, pareil comme l'année dernière. Et une fois de plus, nous remercions les responsables de Nitzana Residence and Restaurant. Les meilleurs moments, ce sont ceux que nous avons partagés avec les nôtres. Malgré toutes les épreuves et les contraintes, nous sommes restés unis et reliés plus que jamais. Nous avons surmonté les difficultés en les transformant en instants de bonheur. Nous nous sommes surpassés, alors partageons tout ce que nous avons de valeur. Raffermissons nos amitiés. Créons avec nos proches ces moments intenses. Partageons ces moments inoubliables ensemble. Eagle Brand, restons unis. Nous finissons façon tout banane. Là, nous laissons reposer. Nous pouvons nous laisser reposer pendant une trentaine de minutes. Okay. Les pour gonfler un petit peu encore. Les pour repousser, les pour refermenter. Là, là, les juste, les pour pas pour prendre beaucoup de minutes pour les pareil. Et si nous avons envie de mettre les dans un four pour nous cuire plus tard, nous à quel moment nous mettons les dans le freezer, sorry, le freezer. C'est-à-dire quand les refroidit, là, nous freeze les. OK. Donc, tu as fini de monter encore un petit guide, 30 minutes. Oui. Après, là, nous freeze. Nous freeze. Non, nous half cook. Nous passons 5 minutes au four. OK. Nous laissons half cook. OK. Là, là, nous sommes capables, quand nous pouvons cuire dans nos air fryer, là, là, nous bake. Li. Nous diminuons un petit peu moins, c'est l'idée d'après-cook. Nous bake li, ou bien nous reheat li aussi. OK. Si tu laisses dorer, nous sommes capables de reheat li dans air fryer. Si tu as envie de half cook,
Là, là, tu comptes ce cuisson dans air fryer, mode de bake. Oui. À peu près 2 ou 3 minutes. OK. Très intéressant et très rapide, surtout. Très rapide. Donc, voilà. Ou un premier temps, nous capables, pour en bulk, nous pouvons faire beaucoup. Oui. Nous capables bake-li, half cook, mm-hmm. half bake. Après, nous re-bake, nous bake-li. Ouais, quand nous pouvons manger, là, nous bake-li quelques minutes. Si nous avons cuit aussi, oui. nous laissons cook. Oui. Après, nous réhérons. D'accord. Dans très fryer. Bien. Donc, voilà, là, nous pouvons laisser poser une trentaine de minutes. Et nous vous revenons. Merci. Un père, s'il vous plaît. Pima, mettez. Oui, mettez. Ajoute un peu. Faites un rabais, s'il vous plaît. Bébé, t'as encore les cuillères, non? Pour plein ça, donc. Daï! Oui, oh Daï, ou l'estomac pas bien en y est. En plus, Daï fait où les os solides. Il y en a moins d'ici qu'avant et il y en a zéro colorant. Daï! Yoplait. Un produit made in Maurice. Donc, Mansoura, après 30 minutes, nous guettons un coup de kilopatelaine vini. Découvrir toi-même. Ah, il est bien gonflé. Waouh! Waouh! C'est très joli. Oui. Et une parfum aussi. Une parfum extraordinaire. Rappelle-nous l'enfance. Et rappelle-nous qui est Ramadan, puis derrière la porte. Derrière la porte, tu as tout, exactement. Là, nous sommes capables de déjeuner avec un petit peu de lait. Un peu de lait. Oui, puisque nous ne pas servir à aucun moment œuf. Oui. Donc, nous mettons un petit peu du lait et okay. un petit peu du lait dedans. Donne-moi un petit peu de yaourt aussi. Pour un peu de yaourt. De yaourt. OK. Nous avons un petit peu sésame, c'est-à-dire gingembre. Oui. Et puis nous avons un peu pissé dessus. OK, nous sommes capables d'ajouter. Ça, c'est plus pour la déco, comment les poétiques. C'est-à-dire nous garnissons, nous apporte un parfum ouais. et okay. un goût aussi. OK. Et il fait jaunir aussi. Allez, on va dire jaunir bien. Et là, tu es capable d'arroser un peu gingembre, si tu as envie d'ajouter un petit peu gingembre. Tu ajoutes un petit peu Popicide. Voilà. Dilé qui a out là. L'hypofenty glaze. Ouais. Avec les. C'est ça qui vous donne une jolie couleur. Elle vous donne une jolie couleur. Après, il apporte un petit peu ça, goût. Mm-hmm. Un peu goût nan là. Un peu tangy. Au lieu qu'il nous servit du lait, nous servit œuf. Ouais. Nous changer. Nous avons une imagination. Nous avons envie de faire une inspiration. Nous découvrir un petit peu les autres façons. Pour nous partager. Donc voilà, Mansoura, nous n'avons presque pareil à Stella. Nous pouvons servir Air Fryer, le Wonder Chef, qui est un de nos sponsors d'ailleurs, qui pour faciliter la cuisson rapidement, nous pouvons aller mettre le four entier, économique. Bien plus rapide. Oui. Ouais. Là, nous sommes capables de mettre directement, mais okay. si nous sommes capables de servir un liner aussi. Un papier cuisson. Cuisson, ouais. qui a le haut dans Air Fryer. Et là, délicatement, comme ça. Voilà, oui. Voilà. Et pas besoin aucune matière grasse encore. Non, tout. C'est tout. Et là, combien de minutes nous pouvons cuire à quelle température? 180 degrés pendant 5 minutes. 5 minutes. OK. C'est ça qui nous peut pre-cook, là. Nous pouvons cuire, là. Oui. 5 minutes? 5 minutes. OK, c'est très rapide. Très rapide, avec le air fryer, surtout, on ouais, le chef. Ça va très vite. Si tu es semaine, ouais. n'importe qui gâteau, n'importe qui se trouve cuit au four, même sur le feu,
fallait lui dégager sa semelle là. Léa, tu connais lui content toi. C'est parfait. Donne une indication. Parce que dans tout ce qui te fait, tu as un léma, comment dire. Même te couper un poulet, même te préparer un manger, tout ça, tu as besoin de donner l'affection. Et lui aussi, lui pour rendre toi ce qu'il a besoin, lui donne toi sa parfum là pour lui faire ta connaître. Mais lui aussi, lui content toi, lui prêt. तो शुरू करें हेल्थ और टेस्ट की परफेक्ट सिंफनी मेरे डिजाइन और आपका जादू मॉडर्न कन्वीनियंट स्मार्ट इनोवेटिव और सुपर स्टाइलिश किचनवेयर और आप दोनों लाजवाब सबके जादूगर पर मेरी वंडरशेफ आप Mansoura, ou laisse-moi ouvrir. Allez, ok. Parfait, hein? Extraordinaire. Wow. Nestuban. Wow. C'est doré. Le ça parfum. Ça sent très, très bon. Voilà. Directement. Voilà. Allez, next. Mansoura, le dernier. Donc, le tialine, il finit paré. Waouh, c'est très doré, appétissant. Mais si elle n'a pas envie de manger. Ah oui. Donc. Bien facile de mettre un petit guidibé, allez, donc nous manger. En tout cas, on va manger un petit guidibé, comme les cheveux là. Ouais. Un petit peu beurre. Et surtout, ce qu'ils ont raté là, c'est une parfum qui peut dégager. Vous pensez que c'est ça, Bessane là, qui fait la différence, Mansoura? Bessane, le yaourt, ouais. Et puis la façon qui nous pétrit, ça. C'est l'affection qui nous donne ça, un ingrédient là même. Il nous donne un bon résultat, voilà. Bien bon. Donc, déguster-les. T'as envie de déguster? Ah oui, ça peut faire là, mais capable, Tinia. Ok. Ça m'a plus joli, là. Ça m'a plus joli? Tout joli. Allez, t'as envie celle-là? Ouais. En fait, tout joli, mais bon, oui, Kassen, pour me montrer, toi, comment les fléquis. Ouais. Et ce parfum, nous déjà, il en dit, mais mon vie montre-toi comment les flics qui raillent. Cette texture était à l'intérieur. Oui. Hein. T'as trouvé? Il y a cette texture là. Regarde-moi ça. Hein. Oui. T'as trouvé? Hein. C'est ça, Nan. Ça, Nan. Oui. Et quand nous casse ici, c'est ce parfum qui dégage. Ce parfum, tu as cette texture là. Hein. Regarde ça. Il est bien soft. Il est soft. Ouais. Des fléquis. Très bien. Hein? Deuxièmement, fais-toi manger. Non, merci. Tu as goûté? Tu n'as dit bien, là. Non, pas besoin de couper, ça a besoin de casser. Bismillah. Très bon, fondant. Très, très bon, Mansoura. Un nan, c'est ça. C'est ça, mais pour réduire encore, nan, c'est ça. C'est ça, Nan. C'est pas brioché, c'est sa texture là. Tu vois, il n'est pas pain, il n'est pas brioché. Il est lot. Donc voilà, nous invitons à essayer cette recette là. Et tout de suite, nous pourrons préparer une deuxième recette pour série. Les meilleurs moments, ce sont ceux que nous avons partagés avec les nôtres.
Malgré toutes les épreuves et les contraintes, nous sommes restés unis et reliés plus que jamais. Nous avons surmonté les difficultés en les transformant en instants de bonheur. Nous nous sommes surpassés, alors partageons tout ce que nous avons de valeur. Raffermissons nos amitiés. Créons avec nos proches ces moments intenses. Partageons ces moments inoubliables ensemble. Eagle Brand, restons unis. Donc, nous, Nan Infini Paré, Astier nous parle bien un petit douceur, Mansoura, grand matin de série, nous comptons un petit douceur aussi. Surtout une affaire qui n'est pas trop lourde en même temps. Pas banane frire en tous les cas. Non, pas banane frire, pas banane frire. Vous connaissez, moi, un petit monstre oatmeal ou encore firni. Oui, firni, oui, ça c'est très bon. Avec qui tu fais firni? Moi, ma maman, tu fais avec oatmeal. Mmh. Avec un ground rice aussi, Il y a les autres façons. Et un gréo aussi. Oui, bien sûr, gréo. Et me montrez-toi faire avec un petit ingrédient, toujours un petit ingrédient secret. Allez, là nous parlons version Mansoura. Allez, top. Donc, qui nous vous servit pour sa fini là, Mansoura? Mais, et là, vous trouvez qu'il y a du blé concassé. Pourquoi pas nous faire un firni avec du blé concassé? Ah bon? Bien. Ok, oui, donc nous avons des qualités. Nous avons deux variétés de blé concassé. Là, vous pouvez trouver sa marque Eagle Brand. Nous avons un blé concassé qui nous met dans la livre. Ou bien nous avons servi dans les autres, dans Kitra. Enfin, il y a beaucoup plusieurs plats qui nous capables de faire. Mais là, vous trouvez Eagle Brand, nous avons une autre variété. Variété là, un petit coup. Et ça, c'est l'idéal pour firni. Ça, l'idéal, nous capable faire firni, nous capable mettre dans halim, faire kitchra, nous capable faire ban kitchri. Ok. Nous capable faire, nous a beaucoup recettes qui nous capable faire avec ça. Ok. Et moi, je toujours préfère celle variété. Ok, ok, les bien plus pratiques. Les une cuisson un peu plus rapide. Ouais, c'est ça. Les cuisson plus rapide. D'accord. Après le goût aussi. Aujourd'hui, pour nous finir aujourd'hui, ça veut dire une servie du blé concassé. Cassé. Et là, nous laissons du blé concassé là bien trempé pendant 2 heures de temps dans de l'eau bien bouillante. Comme... Il est important ça, c'est ça qui peut faire les cuire plus vite. Il est important pour nous laisser bien tremper dans de l'eau bouillante pendant 2 heures de temps. Là, il peut gonfler en même temps, il peut gagner une cuisson rapide aussi, parce qu'il peut déjà gonfler et il peut ramollir. D'accord. Mais si nous pouvons faire les poussières, est-ce qu'il nous a fini de mettre les tremper à soir? Nous n'avons pas fini de mettre les tremper dans de l'eau bouillante. Là. Ouais. Nous séparons dans un petit sachet, nous freeze. Okay. Au moment où nous besoin pour servir, nous tirer nous servir. Donc ça c'est une petite astuce de Mansoura qui est là, nous n'est que tu rapide. Rapide, nous bouillante, nous mettons du lait, nous mettons de l'eau, nous faire façon qu'il nous envie cuit. Exactement. Et là, comme on peut dire, ça même du blé, tu as fricassé. Ok. Tu servir avec un curry. Ok, ouais. Très bon. Oui, et les healthy en même temps. Exactement. Ouais. Voilà, tu trouves l'île bien trempée. Quand l'île bien trempée, l'île gonflée, l'île absorbe tout de l'eau là. L'île absorbe tout de l'eau là, mais toujours nous servir de l'eau bouillante. Mm-hmm. Ok? Et là-dedans, nous pouvons ajouter un petit peu de l'eau. Ok. Mettre un petit peu de l'eau, nous pouvons laisser les bouillir. Ou diamant, quelle quantité? Ok. Comme si, d'après la quantité qui va nous servir, 100 grammes, nous servir une tasse de l'eau. Ok. Okay. Ok, nous servir une tasse de l'eau, nous laisser cuire, nous laisser bouillir, tourner. Mais là, de toute façon, vu qu'il est bien trempé, la cuisson va être beaucoup plus rapide. Plus rapide. Ouais. Et moi, mon service à blé concassé là, je laisser tremper, me ramasser. Ou des fois aussi, je bouillante lui aussi. Hein. Ok, ouais. Me laisser bouillir, les cuire, me ramasser. Okay. Au moment qu'il m'a fait besoin, me servir. Mm-hmm.
Est-ce qu'il nous besoin les bouillir là? Les besoin bouillir. Quand les bouillir, les pour épaissir. Oui. Et les pour venir plus tendre aussi. Oui. Et après quand les pour finir bouillir, nous prenons beaucoup d'ingrédients. Nous avons du lait, nous capables mettre un petit peu d'amande, ça aussi oui. est bon pour nous, la santé. Et puis nous servir du lait condensé ou bien oui. nous pouvons servir du sucre oui. aussi, okay. nous pouvons, selon nos goûts. Okay. Ou, pas du miel. Ou du miel oui. ou un sirop de date. Oui. Mais nous pouvons manger des plaines aussi oui, sans du sucre, mais très bon, oui. avec mm-hmm. manne, fruits, date. Donc bon. Nous, du blé commence bouillir. Oui. Oui. Quand les pour bouillir, les pour venir un petit peu gluant, oui. les pour épaissir. Tu fais un bon bon dessert avec ça du blé là. Du blé. Oui. Et il est bien consistant, donc nous oui. prenons les pour serrer, nous sien qui nous pas pour faire trop vite. Ah! Tu as faim. Tout ça, bien sûr. Pas de gaspillage. Ok. Merci, oui. Quand il est trempé, même il est cuit. Oui, il est mou. Il est mou. Ici, oui. Et est-ce qu'il y a une préparation qui nous capable de finir faire la veille aussi? Oui, nous capable de finir faire la veille après ouais. nous chauffer. Oui. Ça aussi. Nous y se passe les ou dans le micro-ondes ou nous remettre les ou bien nous capable d'un ébullition. Ok, d'accord. Mais là, il pose juste quelques minutes. Ah oui, quelques secondes, 30 secondes au micro-ondes. Ouais. Il peut commencer, oui? Oui, et nous capables de servir amandes ou bien l'essence amandes, vanille, ou même nous capables d'agrémenter aussi, si nous comptons coco, nous capables okay. de mettre un petit peu coco râpé. Mais moi, je ne suis pas trop contente de mettre coco dans les séries, mon pète dans la oh, bourse. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et au lieu de les deux vaches, ouais. bien, le liquide, nous avons servi pour si nous avons un invité, nous avons fait un dessert. À ce moment, nous servons un lait de coco. Ok, oui. Nous avons riche aussi. Nous avons une variation mm-hmm. De, mm-hmm. avec ça du blé-là ouais. qui nous avons préparé. Tu as un bon ingrédient, tu as l'amour pour cuisiner. Tu es admirable quand tu fais une cuisson. Oui, mmh. Et regarde ça. Ouais. Mais si elle a si te goûté, tu peux dire moi très bon. Ouais. Mmh. Mmh. Et tu peux cuire comme ça aussi, plein avec de l'eau ouais. comme ça. Okay. Tu consommes mmh. sans qu'il te ajoute rien si tu es diabétique, ouais. par ouais. exemple. Ouais. Mmh. Donc là, les pays bouillent. Mmh. À quel moment nous connaissons quand nous besoin passe à nos prochaines étapes? Oui, tu trouves te faire comme ça là. Tu vois, tu es encore une à de l'eau. Oh, les besoin sec net? Les bouts dry. Oh, là, tu ajoutes le lait. Hein. Tu vois, okay. tu es encore une à le lait ouais. de l'eau. Comment les sec, là, tu ajoutes. Ok. Tu peux lui ressembler un petit peu l'orge. Oui, oui, non? oui, oui. Les bouillons un peu plus sticky aussi, une li, fois qu'il est sec. Les bouillons épaissir en même temps, les bouillons sticky, pareil oui, comme un oats. Oui, oui. Quand tu cuis oats, si tu veux cuire un oats, c'est un peu plus raffiné. Les pour prendre un petit peu le temps pour les sticky, mais si tu cuis un oats, un roll oats, les bouillons sticky, un peu comme un petit fibre là. Oui, oui. Dans la, à la bouche. Bien. Oui, dis-moi ouais, ça. Ouais. Allez, tu vas ajouter le lait. Le lait? Tu fais une laisse-le bouillir dans du lait parce que les pour rapide aussi. Ouais. Parce que le lait est assez épais, les pour empêcher le bruit. Trop vite. Ok. Le lait aussi, tu ajoutes les petit à petit okay, pour ne pas prendre au fond. Okay. Après, il ne pas brûler aussi. Mm-hmm. Quand tu ajoutes le lait, tu cuis le lait à un feu doux. Mm-hmm. Ben, si tout qui te prend le temps, plus il prend le temps, il cuit le lait à un feu doux, plus c'est bon. Bien sûr, oui. Il gagne le temps, sur mon arôme aussi, il gagne le temps bien. Mm-hmm. Ils développent, ils sont là développés, tu as trouvé. Là même, là, il peut gagner un bon parfum.
Là, on servit ça, comme on peut dire, rappelle-toi, on servit un lait de coco, nous avons servi un lait concentré aussi. Oui, oui. Ok. Donc finalement, nous, l'ingrédient de base, c'est le blé concassé. Le blé. Après, nous sommes capables de développer en plusieurs recettes. Différents, ouais. Décliner en différentes recettes, oui. Finalement. Ouais. Mm-hmm. En plusieurs variations. Oui. Mm-hmm. Nous pouvons mettre des fruits aussi, des fruits secs. Ok. Nous allons les cuire avec une variété de dry fruits. Oui. C'est tout. Là, même avec mon là, imagination. Mon imagination et mon inspiration. Oui. Quoi? Avec du lait là aussi, les besoins un peu plus sec. Les besoins secs. Oui. Après, quand pour refroidir aussi, les pour plus épaissir. Mm-hmm. Pareil comment tout un produit à base de blé. Oui. Comment oatmeal aussi. Oui, il peut épaissir une fois qu'il. Oui. Même quand nous teint, quand cuisson finie, il peut continuer. Il peut continuer à cuire, après il peut épaissir quand il refroidit. Diminuer le feu. Éteindre, diminuer. Pour le lait un petit peu plus concentré. Nous sommes capables d'ajouter les condensés, ouais, okay. Les concentrés sucrés, ouais. Nous ajoutons les concentrés sucrés là. Petit à petit, nous sommes capables. Ok, ça va. Ah oui, très bien. Nous continuons à tourner. Oui. Nous sommes capables de vérifier la cuisson aussi, le goût. Là, nous sommes capables d'ajouter deux ou trois dattes. OK. De noyauter et couper. D'accord. Et ça, il peut ajouter un petit goût sucré avec lui. Oui. OK. Donc là, nous allons diminuer les autres sources de sucre, oui. Peut-être. Oui, oui. Ouais. Et nous sommes capables aussi. Servir que dattes, hein? Ouais, nous pas okay. Servir à aucun moment le lait concentré, ouais. Mm-hmm. Sucré. Le seul source de sucre à ce moment-là, ce à ce moment-là, parce que ouais. Nous consommons beaucoup de dattes, ouais. Nous préférons servir beaucoup de dattes. Mm-hmm. Vous ajoutez là-dedans? Oui, oui. D'accord. Et là, Mansoura, ce parfum. Bien intéressant. T'as très fin. Très fin, absolument. Ok. Là, nous ajoutons date. Maintenant, nous ajoutons amandes. Amandes? Oui, amandes qui nous concassées. Oui, ok. Nous sommes capables d'ajouter amandes en poudre aussi. Ok. Et raisins peut-être, nous sommes capables d'ajouter raisins, ouais. Nous sommes capables d'ajouter mixed dry fruits. Oui, oui. Nous chopons, nous ajoutons ouais. Là-dedans, nous gagnons un bon dessert. Là, c'est vraiment des goûts de chacun, oui. L'imagination de chacun. Ouais. Ajoute-moi, mets le tout. Ok. Voilà. T'as trouvé? Maintenant, on ajoute l'ici en poudre. On met un petit peu, hein, oui. Pour ça. Oui. On va voir quelle quantité. Ça, c'est pour rehausser le goût encore aussi. Le parfum, hein. Le goût aussi. Mettez encore un petit peu. Nous sommes capables d'ajouter la vanille, nous sommes capables d'ajouter l'essence amande. Oui, oui. Ou même voilà. L'essence coco, si nous pouvons ajouter un petit peu de coco, lait de coco ou coco râpé. Nous avons une variation, nous sommes capables de faire avec ça. Très intéressant, cet ingrédient. Et moi, trouver, nous avons aussi safran sur la table, donc ça aussi, c'est au goût de chacun. C'est une jimouni, on veut mettre le safran, ouais. Oriental. OK. Pas de matière grasse. Oui, ouais, très rapide. Très rapide, très nourrissant. Ouais. OK. Et là, nous pouvons installer. Nous pouvons une petite décoration.
Moutina, figue ce matin, mon casse. Figue fraîche du jardin. Du jardin. Et là, nous avons un petit peu fil de safran. Un petit peu de safran. Là. Nous avons... Oh! Figue! Qui ont une casse grand matin dans le jardin. Oui, exactement. Et quelle nous te préfère là? Voilà. Ça a l'air très joli. OK. Donc, Mansoura, la case, si nous peinons la figue, nous capables de mettre les autres fruits à côté. Bien sûr. Ouais. Fruits de saison. Fruits de saison. On va mettre banane, ananas. Et ça, c'est pas que pour la déco. Nous non. Aussi manger. C'est pas pour les jus. Nous sommes capables de mettre des choses ici, hein? Nous sommes capables de mettre des fruits, des canned fruits aussi. Oui, ok. Donc, si nous prenons des fruits frais sous la main, nous capables de servir des fruits en boîte. Fruits en boîte. Ok. Nous capables, pour nous envie de devenir un petit peu plus riche, nous pouvons mettre un petit peu crème fraîche. Ok. Ça nous arrose dessus? Nous okay. Tourner, nous arroser, nous servir avec une crème fraîche. D'accord. Ça aussi, les idées, hein? Oui, oui. On va mettre un petit peu. Un petit peu. Et la tie en poudre. D'accord, nos recettes sont voilà. Parfaites. Donc voilà quelques recettes, deux petites recettes très rapides à faire à la maison pour série. Et nous remercions tous nos sponsors qui participent à cette émission-là, ainsi que ben responsable de Nizana Residence and Restaurant. Qui vous fait un beau goûter? Oui, pourquoi pas? Direct dans Canal? Direct dans Canal. Direct dans Dekti. Allez, direct dans Dekti. Direct dans Dekti. Bismillah. Très bon. Un délice. Délice. Ça goût date là aussi ressorti dedans. Très très bon. Donc voilà. Moi, j'espère que pour refaire cette recette-là que j'ai pour série grand matin, c'est bien facile. Je vais faire la veille, mettre l'idée au frigidaire et le matin, il n'y a qu'à chauffer. C'est ça, Mansoura? Juste chauffer. Donc, j'espère que vous êtes bien content de nous mettre cette recette. Nous avons au début un naan qui nous fait dans l'air fryer. Air fryer. Avec nous, les ingrédients secrets de Mansoura. Et deuxièmement, là, nous fait faire sa firinina. Là aussi, avec la touche de Mansoura, avec le blé concassé. Donc, j'espère que vous êtes bien contents. Nous remercions en même temps tous nos sponsors qui aident nous réaliser cet épisode-là. Nous retrouvons pour le prochain épisode. Cette fois-là, nous pouvons concentrer nos iftar, Mansoura. Iftar, exactement. Un bon petit gâteau. Mais seulement en même temps, nous pouvons pas faire friture, pas de friture. Pas de friture, plus healthy, des aliments beaucoup plus sains. Donc, nous retrouvons dans le prochain épisode, dans Défi Média, la page Facebook de défimédia.info. Merci beaucoup et à la prochaine. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. शुरू करें हेल्थ और टेस्ट की परफेक्ट सिंफनी मेरे डिजाइन और आपका जादू मॉडर्न कन्वीनियंट स्मार्ट इनोवेटिव और सुपर स्टाइलिश किचनवेयर और आप दोनों लाजवाब सबकी जादूगर पर मेरी
वंडर शेफ आप Les meilleurs moments, ce sont ceux que nous avons partagés avec les nôtres. Malgré toutes les épreuves et les contraintes, nous sommes restés unis et reliés plus que jamais. Nous avons surmonté les difficultés en les transformant en instants de bonheur. Nous nous sommes surpassés, alors partageons tout ce que nous avons de valeur. Raffermissons nos amitiés, créons avec nos proches ces moments intenses. Partageons ces moments inoubliables ensemble. Eagle Brand. Restons unis. Un père, s'il vous plaît. Pima, mettez. Oui, oui, mettez. À tout un coup. Faites au rabais, s'il vous plaît. Bébé, t'as quoi les pieds, non? Plein ça dans la main. Daï? Oui, oh Daï, où l'estomac pas bien on y est. En plus, Daï fait où les os solides. Il y en a moins d'ici qui avant, il y en a zéro colorant. Daï Youplay. Un produit made in Maurice.